nous sommes à Rome. En 79 avant Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée. À la tête de cet empire, un seul homme, l'empereur Berlusconus. L'empereur, c'est moi. Où sont mes gladiateurs? Centurion! Trouducus, mon bon centurion, je préfère que vous m'appelassiez Anus, c'est plus intime. Certes, Anus, j'aime jouer avec toi, Anus. Mais dis-moi, je voulais me divertir, où sont mes gladiateurs? Enfin, empereur, ils sont en RTT. Toute la semaine dans l'arène, ils ont fait 45 heures. Mais, ça sent mauvais. Ah, c'est peut-être moi, j'ai pas eu le temps de me laver, je viens à peine d'arriver. À moins que ce soit mon parfum. Vent de courette et de cagarelle. C'est bizarre. C'est à la fois citronné, oui. Épicé. Ah oui, c'est très... C'est... Oui, ça sent... Ça sent la merde, hein. Voilà, oui. Mais où étais-tu, Anus? Empereur, j'étais là où vous m'avez envoyé. J'étais sur l'île de Corse. Ah, l'île de Corse. Hein. Ce n'est pas cette île où il y a des fous? Ouais, c'est là. Il n'y a que des fous, hein. Mais tu ramené du figadellus. Même du prisoutus. Oh. Et du bon. Je vais me casser le ventrus. Oui, entre autres. Dis-moi, comment vont les affaires là-bas? Mal, très mal, très 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 mal. Monsieur le PDG, il nous plastique tous nos camps. Sur tous les murs, il y a marqué Romanifour. Ils veulent plus de légionnaires. Ils nous prennent un coup de fusil. C'est des malades, c'est des fous. Des fusils? Oui, un coup de fusil, oui. Ça n'a pas encore été inventé. Mais là-bas, ils l'ont toujours eu. Et il faut envoyer un homme à poigne là-bas. Et il faut faire marcher ses Corses au pas. Déjà, faire marcher les Corses, en plus au pas. Tipeee, pas dans la merde, hein. Tu sais. Oui, il me vient une idée. Nous allons essayer de vendre l'île à nos voisins. Comment ça? Tu sais, ceux qui sont jamais contents. Qui ont toujours raison. Lesquels? Qui sont radins. Ah, les Gaulois. Oui. Oui, vendre l'île de Corse aux Gaulois. Oui. Ils sont pas assez cons pour tomber dans le piège. On ne sait jamais. Anus. Oui. Divertis-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est les caquetus! Non, ça m'amuse pas, ça. Tiens, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me sacrifier une vierge. Tu vas prendre une vierge dans le peuple et tu vas me la sacrifier. Voilà, sacrifice de vierge. Ça, j'aime. Une vierge? Oui! Je crains, empereur, que nous sommes arrivés un peu trop tard.
Une vierge. Mimi, elle me fait, non, pas moi, non. Non, on cherche une vierge, hein, c'est sûr. Là, ça fait longtemps que ça a été décapsulé, à mon avis. Hein. Une vierge là. Celle-là, elle a retourné le compteur. L'autre, elle est frouche, t'as non. Une gaufre, non, non. Hein. Là, alors, là, ça va même rendre service. Hein. Non, vois-tu, Anus, les gaufres, ça ne m'amuse pas. Eh, ça amuse personne, hein, les gaufres. Tu sais quoi? Tu vas me faire acclamer. Tu vas faire. Le peuple va dire vive l'empereur. Voilà. Oui, fais-moi acclamer, c'est ça, vas-y. Tu connais le sketch de l'empereur qui se prend une cabade? Allez, fais-moi acclamer. Ne me touche pas. Tu fais dire vive l'empereur. Qui monte ta zégus? Vive l'empereur! Vive l'empereur! Olé! Oh, le peuple n'a pas l'air très content de me voir. Mais avec ta fatus. Oh. De quoi? Qu'a-t-il? Un mot serait-il échappé de ma bouche? Sans que je le contrôlasse. Sans doute. Vois-tu, je m'ennuie. Ah. Oui, je suis en pleine dépressionnus. Ah. Cléopatrus, Staputanus, me fait cocus. On avait vu les cornus, tout le monde le savait. Pardon? Plaît-il? Plaît-il deux fois? Quoi? Ah. Et tu sais que quand je m'ennuie, je fais des bêtises, hein, tu le sais. Permettez, mon adjudant. Qui falade. Il y a parmi tous les prisonniers que j'ai ramenés de Corse, deux comicus. Oh. Secus et Pidum. Tiens. L'un d'eux, d'ailleurs, est d'une beauté exceptionnelle. Quelque chose très très près de la perfection. Un demi-dieu, en quelque sorte. Oui. Je vois de qui tu veux parler. Ça me touche. Tu veux parler de Tsekus, le magnifique. Non, ça c'est le Baulus, non. Je voulais parler de Pidum le grand. Pidum l'illustrissime, Pidum à la chevelure d'argent. Pidum à la chevelure d'argent. C'est exact. La chevelure en tampon Gex, ouais. Non, mais tu te trompes. Non. C'est de Tsekus dont non, tu parles. C'est Pidou. Non, c'est Tsekus. Et je sais, c'est mes prisonniers à moi. Oui, mais c'est mon empereur. Et qui empereur? Empereur. Quand tu éteins une lumière, tu te prends une rousse, t'es inquiétant empereur. Tiens. C'est un sketch. Tu sais que c'est un sketch. D'accord. Pense qu'il va finir. Mais rira bien qui se comprera de rire à la fin. Soit. Écoute, soit ils me font rire, soit tu finis dans la fosse au lion. Toi, Terra de Johnson, Sol Carlus. Et Tsekus et Pidum. Oui, tiens, prends ma queue. Musique d'empereur qui s'en va.